Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment faire avec votre Sony Xperia si vous rencontrez des difficultés avec des applications ou des bugs légers. On va d'abord essayer de le réparer sans effacer les données et on verra en dernier comment faire pour le réinitialiser en totalité. Vous allez d'abord dans Paramètres. Ensuite, vous allez rechercher ici l'onglet Système. Dans l'onglet Système, vous allez cliquer sur Réinitialiser. Et vous allez choisir soit réinitialiser les réglages réseau, soit réinitialiser les préférences. Ces deux réglages n'effaceront pas vos données, c'est-à-dire que si vous avez des photos, de la musique ou des documents qui sont enregistrés sur le téléphone, ils ne seront pas perdus. Par exemple, réinitialiser les préférences. Voilà, il a juste remis ses paramètres tels qu'ils étaient, comme le fond d'écran, la disposition des icônes, mais vos données, elles, ne sont pas effacées. Si vous avez réinitialisé les réglages sans effacer les données et que ça n'a pas solutionné votre problème, vous serez peut-être contraint de réinitialiser le téléphone en totalité. Pensez dans ce cas qu'il est important pour vous de sauvegarder vos données, soit en transférant vos données sur une carte mémoire, soit en sauvegardant vos données sur le cloud avec un compte Google par exemple, ou en le transférant sur votre ordinateur. Vous allez dans Paramètres. Vous descendez dans Système, vous allez rechercher Réinitialiser et maintenant vous allez choisir de rétablir la configuration d'usine. Vous avez ici un message d'avertissement qui vous rappelle que tout sera effacé sur le téléphone et vous cliquez sur Réinitialiser le téléphone. Là, le téléphone va redémarrer et va se retrouver dans sa configuration d'usine.